Tu t'appelles Aurélie? Oui. T'es sauvage alors? Qu'est-ce que ça veut dire, sauvage? C'est ce que l'on n'entend pas. Dans Aurélien, on entend O, mais c'est un A et un U. Tous ceux qui ont perdu une lettre de leur prénom, ils savent. Il s'est planté devant moi, droit comme un piqué, et il m'a parlé. Il ressemble à une petite chose fragile. Je m'appelle Aurélie, et lui Aurélien. Pour lui, on est pareil. On ne doit pas tout savoir, mais le Seigneur, il sait tout. Pour appeler le Seigneur, il faut fermer les yeux. Lui, il n'a pas de téléphone, c'est un ordinateur. On ne le voit pas, le Seigneur, mais il y a des traces. Il nous a fait car il s'ennuyait. Si on ment, il voit sur son ordinateur. Aurélien a toujours un discours inattendu. Il ne fait pas la différence entre le réel et la fiction. Ce qu'il voit à la télévision l'impressionne et le fascine. Je lui ai dit que je ne croyais pas que le Seigneur existe vraiment. Il m'a répondu que si les ordinateurs existent, le Seigneur aussi. À l'école, c'est trop dur. Je transpire des doigts quand je tiens mon crayon. À chaque fois, je me trompe. Je transpire à 5 exercices et après, je vais louper le bus. Scolarisé en classe de CP, Aurélien a d'importantes difficultés scolaires. Il a du mal à trouver sa place parmi les autres. Avant, j'étais gentille. Maintenant, je deviens méchant parce que mon frère fait des bêtises. Et moi, je lui dis, arrête, je veux pas faire de bêtises. Mon frère, il pense qu'à faire le bordel. Papa m'a dit, ne range pas ses jouets, comme ça il sera puni. Pour ne pas être méchant, il faut respecter les règles. Pour arrêter, il faut demander la police. Mon frère, il veut essayer la prison. Dans la machine des gens gentils, on met les gens gentils. La machine des gens méchants, c'est une autre maison. Aurélien a un frère jumeau et est constamment en recherche d'identité. Et son frère fait toujours mieux que lui. Je vais être Spider-Man. Faut pas que j'aie le nom de Spider-Man. Dans cette planète, il peut pas y avoir deux Spider-Man.